Eh bien bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le retour sur FF13. En attendant la sortie d'un jeu, bien entendu. Comme vous le savez, il y a un nouveau FF qui va bientôt sortir. Ça arrive dans très peu de temps. J'aurais espéré avoir eu le temps de terminer FF13, mais malheureusement c'est pas le cas. Parce que il y a eu la sortie de l'extension World of Warcraft. Donc World of Warcraft a été mis à l'honneur sur la chaîne. Et le but c'était de faire le maximum sur WoW avec vous, comme vous avez pu le voir avec Nounours par exemple qui a fait un stream mardi sur du WoW. Et l'objectif ce sera de reprendre de faire le plus possible les nouveaux jeux qui sortent, hein, comme tout le monde. Alors on se retrouve, on était sur le croiseur volant, on avait récupéré le petit coffre qui était là-bas, et on avait sauvegardé pour pouvoir continuer la game. Alors l'objectif il est de le voir là-haut. Donc on va pas se retourner, on va pas les faire ceux-là. On va directement aller en haut. Je vais juste vérifier que les cristalliums sont opérationnels. Non, on a encore 3000 points. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était au niveau des cristalliums. Alors, 2 sur 12, 12, 15, 11. 2, 11, 16, 12, 13. Je crois qu'on les avait finis en fait, les cristalliums. Ouais, il y a des chances qu'on les avait finis. Donc, on ne pourra pas devenir un peu plus puissant avec les cristalliums. 2, 12, 12, 13, 10. 2, 9, 20, 9, 12, 1. Ok. 2, 4, 20, 9, 12. Ok, non, je crois que. T'as un que je regarde. Fang. Le seul à la limite que je pourrais regarder, c'est Snow. Mais Snow, on va le faire quand on va pouvoir le réutiliser. On va le faire d'un coup. Ou je le ferai hors caméra. Tranquillement. De façon rapide. Donc, du coup, c'est parti. On continue. Ouais, une petite attaque sur ce pour commencer, ça fait plaisir. Hop. À l'heure actuelle, c'est une forme. Les mobs, c'est clairement une formalité. On regarde juste si, comme d'habitude, il n'y a pas de coffre. Le but, c'est d'éviter de louper les coffres. Résistance, celui-là.
Enchaînement. bonsoir Nounours. Je pense peut-être que c'est Stéphouille. A voir, on verra bien. Oui, c'est Stéphouille. Ah, j'entends un coffre. Là-bas. De quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise ? Oups ! J'ai fait une bêtise. Attends. On va corriger ça tout de suite. Effectivement. On a fait une bêtise. Tu vois, je suis tellement perturbé par World of Warcraft que je le mets partout. T'as raison de me le signaler, je te remercie. Ah si si, j'avais le pire c'est que j'ai changé le titre, j'ai changé le jeu. Mais je sais pas, j'ai écrit World of Warcraft. Mais tout va bien, tu vois, c'est... Tout va bien, y'a rien qui va mal. C'est pas... Je suis pas fatigué, non non. Je ne suis pas fatigué du tout. Je te remercie, ma Stéphouille. Et oui, effectivement, t'as totalement raison. C'est pas du tout de World of Warcraft. Bravo. Bravo. Je fais trop de boue, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Après, en ce moment, avec tout ce qu'il y a à faire sur WoW, on peut que y passer du temps. Voilà. Ça. Enfin, je vais pas dire que WoW me détend pas, mais. Ah, mais ça va me changer un peu. Voilà, clairement. Le pire, ça va être mardi. Mardi, il va y avoir un... Ça va très, très, très beaucoup me changer. Quand même bien résistant. Qui redescend pas le machin. Fang et Lightning sont tellement synchro que le machin redescend pas. Voilà, hop. Trop fort. On appelle ça se faire soulever. Clairement. Ouais, wow, y'a tellement de mobs. Y'a tellement de points rouges. On n'avait pas croisé de boss, je crois.
c'était le premier épisode de la série qu'on fait sans boss. Alors, calmez-vous les gars. Là, on a, là, il doit y avoir un coffre, pas tous les coups. Ils sont dans le coin, c'est pas pour rien. Ils sont nombreux. Oh. Pas très mal, mais... Seuls, ils font pas très mal, par contre en groupe, ça peut vite venir dangereux. Que ça pouvait devenir dangereux. Ces groupes. Alors ensuite. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh.
Sans soigner là, va passer. Voilà, j'ai dit que ça passerait. Le machin allait rester en haut. Qu'est-ce qu'on gagne comme point? Comme point. Je pense qu'en vrai, la session d'XP que j'ai faite la dernière fois, même si elle était très courte, en soi, elle aura eu son effet et puis ça devrait suffire. Pour arriver plus loin dans le jeu, ça devrait vraiment suffire. Donc je le saurai bien assez tôt dans tous les cas. Yeah.
Tiens, reste là-haut, toi. Ah, il est tombé. Un coffre. Ah. Il est déjà... Il est là. Ah ! Dommage. Il faut remonter. On a plus le temps. Bien le bonsoir, petit padawan. Bien le bonsoir, jeune maître. Comment il va, mon nono ? Bah, t'as vu ça, je reste dans la thématique. Padawan, maître, tout va bien. En plus, je suis sûr que t'aimes ça. J'adore. Tu m'étonnes qu'il adore, mon nono. Oula, c'est une déculottée pour le petit Hope. Bonsoir Marmoud, alors ça c'est du nounours, hein. Comment il va? Ça c'est le vrai, ce coup-ci c'est le vrai, c'est pas le factice, on va dire ça comme ça. Littéralement en train de jouer au yo-yo. Montez, descendez, montez. Descendre, montez. Ah non, il reste en l'air.
Alors... C'est pas par là, mais... Mais il y a quoi. T'inquiète pas, j'ai même pas le temps d'attaquer. Oh, ils sont pas drôles. Oh, y a pas de but, hein. Bague étincelante. Alors, on n'a plus rien. Ah oui. Allez, ça se passe très très bien. Ah, on arrive au point. Let's go. Olay, salut. Et c'est parti pour un petit boss. Hop, alors déjà on va se buffer. Régène un peu. Ouais. Ah, le cher le bougre.
On l'a déglingué. Et voilà. Ah, c'était peut-être pas... Ouais, c'était pas un gros, hein. Je pensais que c'était un gros. Voilà, autant pour moi. Oh, bah tu qui voilà. Let's go! C'est reparti pour le deuxième round! Et la musique a encore changé. Allez, les buffs. Ah, une buff avec l'aide de nos foudres. Intéressant. Par contre. C'est quoi? On va laisser que l'endo foudre. Let's go! Et voilà. ファルシに毒された政府の欺瞞を暴く。うまくいったら奇跡ですけど。奇跡はうちらの得意技だ。おい、またやったな。メロル。キリがねえな。ああ、見てろ。グランパルスの流儀をよ。ああ。
Ah ouais. Où est-ce qu'on est? Allez, même pas un bleu, pas de bobo, tout va bien. Dai-3 va kono saki da. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme équipe? L'équipe de combat, pour changer de la composition de l'équipe de combat, appuyez sur... Donc moi c'est la touche triangle. Bon, on va regarder le menu principal, c'est l'onglet stratégie, l'option combattant. Permet de déterminer le leader et les équipiers, changer les membres de l'équipe de combat, modifier également les stratégies et envoie automatiquement au moins rôle au menu rôle afin que de les vérifier au besoin de les ajuster. Donc on peut enfin intervertir les combattants. Ça y est. Du coup. Va falloir faire un petit check-up obligatoire de Snow. De tous quoi presque. Ah non, que de Snow. Bah attendez, Cristanium. Je vais vérifier Vanille et... Parce que dans tous les cas... ouais voilà. Il était pas totalement terminé. On clique un chouïa. Voilà, il y a vraiment... Donc elle me manque un chouïa, en vrai. Donc, mon équipe, on va dire, parce que je suis un peu plus agressif. Le problème, c'est que si j'enlève Hope, j'aurai plus de soigneur. Enfin, si Lightning peut faire soigneur. Fang, j'aimerais bien la garder parce qu'elle est, assez efficace. Ah, puis j'ai amélioré les armes de Hope aussi, quoi, donc ça m'embête. Je vais rester comme ça pour l'instant. Et on verra, on adaptera notre stratégie au besoin. De toute façon, va falloir augmenter les armes des autres. Bien entendu. Donc, du coup, c'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a un truc à faire. Là. Voilà. C'est bon, on peut y aller là, non? Ah mais non, d'accord, elle a mis l'escalier. Je pensais que c'était une rampe qui se déplaçait, mais non. Let's go. Je
C'est une strat. Ça peut être intéressant d'avoir du full buff d'un coup. Alors attendez. Stratégie. Combattant. Donc, le leader. On va mettre... Ah ! Temporairement inchangeable. Ça se fout de moi en fait. Donc du coup, l'attaquant ravageur soigneur. D'accord, ravageur tacticien, ravageur saboteur soigneur. Ouais, bon, ça vaut pas le coup à l'heure actuelle. En fait, je voulais changer le lightning, mettre Fang à la place et mettre Zas qui permettrait. Sérieux, il y a... Ah non, j'ai cru qu'il y a encore un point de sauvegarde. Qui aurait permis d'augmenter, d'avoir un bonus tacticien. Vu que les deux tacticiens ont été avec moi. Parce qu'on n'oublie pas la célérité de Zas. D'ailleurs, je vais mettre la célérité de Zas. Obligatoire. Quelque chose de trop pété pour pouvoir le laisser. Donc on va faire ça. Et on va prendre Zas. Hop. On vérifie les rôles. Alors, on a un attaquant défenseur. Alors, rusé, non. Donc, je veux. Ravageur. Attaquant. Ravageur. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, assaut furieux, c'était celui-là. Donc, là, je veux un. Ravageur. Attaque. Non, attends. Attaque. Soigneur. Voilà, ici on est en mode buff, donc du coup, attaquant, saboteur, tacticien. Ici on va être en mode défensif. Et là on va être en mode rebuff. Voilà, mode rebuff, le mode rebuff, la tactique de la bravoure. Là je trouve qu'on est pas mal. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Au moins ça permettra de pouvoir tester la célérité avec Lightning et Fang. Hop. Ah ouais, la célérité c'est trop bien. Ça change tellement de trucs la célérité. What? Ah, je viens de me faire éclater en 3 secondes. Je l'ai pas vu arriver cette attaque. Hop, recommencer. Alors, on se fout le buff. Oh,
Sérieusement? Double grenade quoi, laissez-moi me soigner, sérieux. Bon. Alors attendez. On va remettre. Comme avant, peut-être que. Voilà. Solidarité, non. Coucou Zaza, comment ça va? Allez, on va réessayer. Alors attends. Ah, flûte, j'ai pas le temps. On va sauter dessus. Donc. En vrai, je me fais déglinguer la tronche. Furieuse, ils ont resté en mode polyvalence à chaque fois. Ça va être long et chiant. Mais le problème c'est que j'ai pas le choix parce que... Ils ont des attaques qui font pas plaisir. Sérieusement, mais y en a combien? Mais Masaka. Une blague en fait. J'ai vu le nombre de grenades, 4 d'affilée quoi, 4 d'affilée. Le machin, c'est pas du petit truc, c'est que ça stun et tout. Jouer défensif hein. Oh la jouer défensif, pas trop le choix.
Alors. Voilà, on a joué défensif. Ah, on est en full défensif, on peut pas faire mieux. Allez, let's go. Une et de deux, voilà, suivante. Et de trois. Petite quatrième peut-être. Voilà, et de quatre. Allez, encore une, histoire de. Non? Non, c'est bon, ça arrête là. J'ai pas cru que j'allais reperdre, clairement. Deux, voilà. On va voir ça, comment elle va ma petite Zaza. Désolé, je rage un peu sur le jeu là. C'est bon, le vilain, il prend pas de dégâts. Ah, il prend rien, quasiment rien des gars en fait. Ouais, le petit choc. Voilà. Eh ben. Bon, j'espère que ça sera pas comme ça tout le long. Ça va être compliqué là. Alors. Vivitelo. Ça prend pas à se concentrer sur le gros. Ah.
Voilà, un petit choc, on n'en parle plus. Oh. Ça va, elle est moins coriace. Ce combat-là était moins coriace que l'autre. L'autre, ça a été une... affreux, quoi. Tellement nombreux. Et j'ai coupé tous mes points de tactique pour un combat, quoi. Pire, c'est que cela, ils prennent tellement cher. Voilà. Énergisant. J'en ai bien besoin. Alors, boutique. Alors, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Je pense que oui.
ça non. Les puces à crédit, les puces à prime. Hop. Toujours ça de gagner. Et je crois que j'avais récupéré des puces à crédit. Alors, les puces à prime et les puces à crédit, de toute façon, c'est une valeur sûre de la vente. Alors, je vais. Déjà, on va trier tout ça. Est-ce que je peux trier. Comment je fais pour trier déjà? Tac, catégorie. Donc, on va. Normalement, c'est celui-là. Ah, j'en ai déjà 99, ok. Donc, il faut que j'achète. Je vais acheter des émulsions. Je vais essayer de modifier une arme de façon à ce qu'elle soit au niveau max. Améliorer arme. Donc on va rester sur le pistolet M qui est niveau 20. Il est en x2 mais on va le repasser en x3. Donc ah oui, déjà. Alors les crocs, où sont les crocs? Ils sont là les crocs. Voilà. Et ensuite. C'est tout ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir. Alors, il est au niveau étoile. De mémoire. Donc là, je peux plus l'améliorer. Je peux plus l'améliorer, sauf si. Sauf si. Améliorer, démanteler. Ah, je sais plus comment on fait. J'ai peut-être pas l'item pour le faire, justement. Bon, c'est pas grave. On va. Je vais augmenter l'arme de. L'arme de. Donc ça, c'est l'arme de Hope. L'arme de Fang, elle est. On joue avec celle-là, la lance. Papillon. Donc, les crocs. On repasse en x3. Alors, maintenant. Non. Ah voilà, ça c'est pas mal. 22. Voilà, hop. Celle-ci aussi est niveau max, ça donne encore un peu plus de boost. Par contre, je ne sais vraiment plus comment. Alors, minerai radioactif riche en uranium sert de catalyste évolutif. Ouais. J'ai des catalystes évolutifs, mais je ne sais plus comment on s'en sert. C'est pas grave. Alors, allez, on a un peu plus de puissance maintenant. On va voir ce que ça donne. J'ai pas le temps de regarder les équipements.
退避するのは君の方だ。いや、退場だな。人間の出る幕は終わった。 ルシの恐怖を煽った貴様自身がルシだったとはな。ルシだと？ この私が。 私はルシか。見くびられたものだ。私はファルシだ。我が名はバルト・アンデルス。政府を導き、国運に君臨するファルシの王。闇を恐れる人間に光を与えたように。 Let's go! Ça, c'est un vrai boss! Alors, déjà, on va se buffer. Hop, c'est parti. Alors attends, que... est-ce que je... Ouais, j'ai un aviseur sur tous les ennemis. Voilà, alors on va commencer par lui. Je crois qu'il faut d'abord que je... Hop, on passe en polyvalence. Oh, il prend 0 dégâts. Oh, il prend des dégâts. Ça c'est du boss. ルシの力だ。
Test à faire, je sais pas pourquoi. Oh, le skill de lightning. Ah ouais, il a quand même 462 000 points de vie, bah oui, normal. Résiste à tout, enfoiré. Pas sérieux, il a annulé ma transe. Il a annulé le combo, cet enfoiré.
Ouais, j'arrive à mettre en état de choc à ce moment-là, mais ah bah, j'ai réussi à me le faire. Ouh, voilà. 9 minutes au lieu de 7. Ah non, 7 minutes au lieu de 9 minutes. Non, c'est l'inverse, pardon. Oula. Ah, plus beau. Bac des esprits. Okay. Nouveau stade d'évolution. C'est fou. 魔女。 Ragnarok. Ragnarok. Oula. なんだそれは。使命を忘れた哀れな主に教えてやろう。お前たちの使命は魔獣ラグナロクとなり、国運を滅ぼすことだ。ビジョンを見ただ。 お前たちの誰かはラグナロクとなり、ファルシオファンを倒して、国運を破壊する。オーファンだと？ファルシエデンの力の源だよ。オーファンがエデンに力を与え、エデンは全ファルシを支えて人間どもを養ってきた。オーファンを破壊すれば、 秘められた強大な力の暴走により、国運は崩壊する。ラグナロクになってオーファンを壊せば使命は果たされるだろう。ふざけるな。与えられた使命など。<笑>セラは国運を守るとねがってクリスタルになった。 だったら俺たちの願いも同じだ。俺たちは俺たちの願いに従ってクリスタルになってみせる。<笑>その娘の真の使命を教えてやろう。お前たちが集まり娘がクリスタルになった。ならば使命はお前たちを集めることだ。娘は 国運を破壊する道具を集めたに過ぎん。考えもしなかったか？それとも考えようとしなかっただけか？真実を拒むルシに現実を見せてやろう。 Ah, il s'en va. Ikuzo.
Bon, d'accord. Oh là là, il a échappé à un mec qui voulait lui balancer des missiles, tout ce que vous voulez et compagnie. Et il s'arrête sur quoi? Un mur. Bravo. Bravo, bravo, Zas. C'est pas mal. Tu pouvais pas mieux faire, pour le goût. Dans le genre boulet. Pourquoi? グランパルスの遺跡みたい。ボーダムと同じ遺跡なのか。首都のすぐそばに。国軍の連中はうちらを怖がってる割にパルスの遺物を大事に隠してるんだな。ダイスリーが見せようとしたのはここなんでしょうか。ルシに現実を突きつける場所か。使命って ダイスリーの言った通りなんでしょうか。ラグナロクになって。ファルシオーファンを倒し、国運を滅ぼす。ビジョンをそのまま解釈するよ。そうだよな。振り出しに戻るってか。きついぜ。イーロンさん、応答願います。 ダイスリーは僕らの使命を果たさせたいのかな。そうらしいな。俺らの使命が何なのかご丁寧に教えてくれやがったぐらいだ。でもそれっておかしくない。国運のファルシなのに国運を壊したいの。僕たちの理解を超えた偉大なるファルシの計画ってやつでしょうか。 Il a perdu Snow en route, je crois. Allez, c'est reparti après cette belle cinématique. Du coup... Ah bah... J'allais dire, il faut augmenter les cristaniums, mais on a déjà augmenté celui de Lightning, voilà. Alors... Nouveau stade d'évolution atteint. Et on va commencer par le Ravageur. C'est tout ? Ok. Donc le ravageur c'est fait, très bien. Du coup l'attaquant. L'attaquant c'est fait. Je sais pas que je vais pouvoir tout améliorer en fait. Non, j'ai pas assez de points. Ah, quoi, 9000 points. Ah, bah si, j'ai absolument tout amélioré. Comme quoi, j'ai un peu d'avance. I am chaos technique. Bonne nuit, Mazazouille. Repose-toi bien, des bisous et puis bah à demain. Bah oui, demain soir c'est sûr. Demain dans la journée, très peu probable pour moi. Des bisous ma Zaza.
Arrête, réunion CERN demain soir, mais on se fera sûrement un petit coucou quand même. Oui, bon après... On est vendredi soir, je doute que vous ayez réunion CERN toute la soirée. Bah, j'espère pas, ça serait malheureux pour un vendredi. Mais bon, il n'y a pas de souci. On se fera un coucou quand même, t'inquiète. Ça marche, ma zaza. Bon courage, des bisous et à demain. De toute façon, je peux rien faire pour vous, donc Ah, attends, c'est quoi? Je vais checker un truc. Est-ce que, maintenant qu'on a passé de stade d'évolution, est-ce que je peux pas améliorer le pistolet Sanctum? Parce que si c'est ça, ça fera encore un boost. Modification. Arme. Toujours pas. Je pense pas l'avoir le truc en fait. Mais bon. Non, donc là pour le coup je ne vois pas. Et puis comme là à l'heure actuelle je ne peux qu'améliorer que Lightning en Cristanium, le plus intéressant c'est de quitter les ruines. De toute façon il n'y a rien du tout. Autant continuer pour essayer d'avancer un tout petit peu. Ce sera très court l'avancement du coup. On parle à Serra, tiens. Ah, Serra, Avani. La sagesse de Vanille. Elle est peut-être très jeune, Vanille, mais elle pense beaucoup. お前らしくないな。バカだって悩むんだぜ。セラと一緒に虚空を守るんだろ。無茶でも信じれば支えになる。だからここまで来れたんだろ。だけど俺は。ああ、思い込みが激しくて勘違いするわ。自分をごまかすわ。とんだ大バカ野郎だったな。 Ah bah, y'aura un point de sauvegarde ici.
Alors, est-ce que j'ai... Voilà. Donc, Christianium. Alors, attends, je vais... Bon, juste un truc, est-ce que je peux... Ah, on va se battre un petit peu avec Snowy, va dire, tiens. Mais avant, le boost obligatoire, B2. Allez, ça va être lui le plus long, c'est parti. Il a des piques Christianium quand même, Snow. Compétence, donc il me manque une compétence ici. Ça doit être là pas loin. Voilà. Bisous Marmoud, à la prochaine. Bisous mon nounours. Repose-toi bien. Et à demain. Voilà. Alors ensuite il nous reste Zas et Fang. Anti-feu, anti-glace. Récupère un peu de défensif, Zas.
Voilà, alors, caractéristiques, on a 360, 237, 258. Déjà, Hope est le meilleur en magie. Et Fang est meilleur en, Fang est la meilleure en attaque parce que justement elle a les équipements pour. Alors, je vais faire un truc déjà. Fang, je t'aime beaucoup, mais je vais te retirer ça et ça. Parce que comme je peux pas changer de personnage, j'ai besoin de quelque chose de costaud. Voilà, comme ça, elle est très. Gagnant force en magie. Alors. Ouais. On va laisser en défensif, elle. Donc, Fang, qu'est-ce que ça donne sans les équipements? Ouais, tu restes quand même. Très puissante. Je vais garder Fang avec moi. Je vais faire combattre Vanille un petit peu. Non, je vais laisser cette équipe là pour l'instant, on verra après. Allez, on va essayer d'aller. On va aller au moins jusqu'au prochain point de sauvegarde. Histoire de. Sinon, vous n'aurez plus du Cristanium. Rater Cristanium en folie pendant 5 minutes. Alors. Voilà. Par là. Non, parce que du coup c'est pas mal celle-là. Ouais, c'est par là. Tellement résistant en fait. Ah oui non d'accord, c'est juste que j'attaquais pas le bon. Thank you.
Alors, tous les rôles accessibles. Oula ! Déjà ? Personne n'a accès à tous les rôles. Pour endosser un nouveau rôle, il faut d'abord acquérir l'une de ses compétences dans le menu Crystallium. En outre, vous pouvez maintenir, changer librement le personnage du groupe leader inclus. Ok. Je pensais que c'était beaucoup plus loin, moi. Ah non. Le cinquième marche. できなかったんだ。まさか国運の中にあるなんてよ。パルスの軍事基地だ。物騒なもん隠しやがって。政府の連中め、何に使うつもりだ。それだけじゃない。もう一つ、アークには別の役割もあるって話だ。ルシの中に眠る力を叩き起こす。ダイスリーの狙いは私たちの力を強めることか。また一歩化け物に近づいたってか。戦うための力を得たって考えましょう。そうだよ。なんだ。また来やがった。まずいな。あっちへ。こうなったら進むだけです。Alors, si j'ai bien compris. Wouah! Ok, donc en fait, j'avais pas trop de points. Hein. Lightning en défonceuse. Ça peut être très drôle. Le truc c'est que ça peut faire, ça fait pas mal de stats en plus. Donc va falloir vraiment les faire, mais par contre, mon dieu, qu'est-ce que ça va coûter cher. Regardez, 1.3000, j'ai même pas assez pour dire de l'avoir celui-là. Je sais pas si vous voyez le délire. Alors attendez, je vais regarder les autres. 3000. 3000. Ah, c'est que du 3000. Donc les seuls arcs intéressants, c'est leur arc principal. Voilà. À moins que le prochain palier ce soit ça aussi. Mais ouais, c'est
Le seul qui pourrait dire de prendre quelques trucs en plus, c'est Snow pour l'instant, parce qu'il en a encore 9000 points de compétences. Mais bon. Alors par contre. On se bat avec Fang. Alors. Attaquant. Ravageur. C'est un labyrinthe ce truc. Le bug détruit. Ah, résistance aux 5 éléments. Mais non, mais mets pas la marque de mage. N'importe quoi. Autofois, on va essayer.
utiliser. Je voudrais juste savoir si... Je sais que je retourne un peu en arrière, mais... Ah, y a rien là-bas. Je vais aller de l'autre côté. Salut mon petit Fofoi, comment ça va? Il arrive à la fin le Fofoi. Un peu KO, je suis dans le métro. Ah ouais quand même. Il vient à peine de finir le boulot, non. Bah écoute, on a combattu le premier Falsi. Donc ouais, ça avance bien. Là maintenant j'ai tous mes personnages qui peuvent avoir tous les rôles. Et je peux changer de leader comme je veux. Voilà, donc là je peux faire l'équipe. Je peux faire l'équipe que j'ai envie. Donc, pour l'instant je suis resté sur Fang, Hope et Lightning qui sont les plus on va dire les plus avancés au niveau des équipements. Mais faudra que je vois pour me faire une autre équipe type. Et je sais plus ce que vous m'aviez proposé à l'époque. Enfin à l'époque, on m'avait demandé. La dernière fois. Du coup, on verra ça. Je verrai ça la prochaine fois, je pense. J'ai jamais été dans le coin. Mais bon, tu t'en doutes. Enfin, j'espère que tu te doutes que je vais pas forcément m'arrêter à FF13. C'est ça. Là maintenant je suis libre, c'est pour ça que je joue avec Fang, parce que bah, j'ai envie de jouer avec Fang. Je sais pas qui mettre dans les deux autres à la place de Lightning et de Hope. J'aime beaucoup Lightning parce qu'elle a une technique qui est très puissante à la fin. Enfin à la fin, quand son Clustanium est boosté à fond. Mais après... Après voilà, on verra, je pense. Alors, bonsoir à toi, 9 Trolls 21. Bienvenue à toi sur la chaîne Fang, Lightning, Hope, meilleure équipe du jeu. Ils ont les meilleures stats de base. Ah d'accord. Ah tu vois, tu m'apprends quelque chose. J'y ai joué il y a longtemps donc je m'en souviens plus. Mais ouais. Mais on est d'accord que Lightning est plus puissante en ravageuse qu'en attaquant. De ce point de vue là, je suis pas fou. Ouais, c'est ça. Ça, je m'en étais rendu compte à l'époque sur 360. Je vais rater ces trucs là déjà. Voilà. Elle est polyvalente. Ouais, ouais. Là. Bah oui, comparé à Fang, elle est naze. Et du coup, les autres, qu'est-ce qu'ils valent en fait? Ils sont à quel niveau?
Parce que Fang, je sais que c'est une brute, c'est la brute épaisse. Alors... Snow, c'est le... For useless. Snow, c'est le gros sac à PV par excellence, par exemple. Ok, d'accord. Snow, c'est un tank. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, quand je suis arrivé plus loin dans le jeu, bon, je vais pas spoil, je vais pas citer le nom, mais je m'étais fait une équipe, alors de mémoire, c'était une équipe Zass. Zass, Vanille et Lightning. Parce que sur les gros monstres qu'on va affronter par la suite, je balançais directement en tacticien saboteur attaquant. Et ça boostait, enfin boostait des buffs au taquet quoi. Parce que justement, Zass avait l'avantage de donner des... Il manque un peu de dégâts ce nom. Ça non. Zass avait l'avantage d'avoir directement les boosts offensifs. Mais bon, je pense que Hope les récupérer aussi par la suite. J'ai cru entendre un coffre, mais je le vois pas. Oui, mais plus tard, Hope fera pareil. Ok, d'accord. Bon, donc j'avais peut-être pas suffisamment boosté le cristallon de Hope à l'époque pour dire de tout débloquer. Parce que ouais, les compétences spéciales du tacticien, elles sont redoutables. Ouais, c'est pas faux. T'as pas tout à fait tort pour le coup. Après, de toute façon, va falloir que je vois pour les armes et compagnie. Enfin, j'ai encore pas mal de trucs à faire pour essayer d'être opti au maximum pour dire d'avancer le plus vite possible. Parce que voilà, on peut pas le nier. Mardi, il y aura un nouveau let's play supplémentaire sur la chaîne. Ah bah voilà, le prochain point de sauvegarde, c'est ce que j'avais dit. Parce qu'on va dire que demain c'est le boulot, voilà clairement. Les armes c'est un bordel, mais si tu veux mon avis, ne les up pas tout de suite. Alors j'ai déjà up donc l'arme de base de Lightning que je trouve, mais malheureusement je peux pas l'améliorer plus, j'y arrive pas. Je dois pas avoir le bon catalyseur. Et j'ai amélioré la lance papillon de Fang à fond aussi. Donc voilà, le seul truc qui manque pour dire de les améliorer en supplément, c'est les catalyseurs, mais bon. Voilà. Je sais que le pistolet Sanctum de Lightning est très polyvalent. Voilà pourquoi je l'ai amélioré en premier. C'était pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Ah, aurais-tu des infos que je n'ai pas concernant les armes? Dis-moi. Lightning est-elle une arme de prédilection? Oui. Ah, chaque perso, d'accord. A une arme de prédilection. D'accord, ok. Bon. Donc j'imagine que là, dans toutes les armes que tu peux voir, et quand tu la up, faut juste l'attendre, et quand tu la up, bah tu la up, ok.
Donc, et là, j'imagine que dans toutes les armes que tu peux voir, il n'y en a aucune qui est de prédilection, on est d'accord. Alors attends, je vais les mettre par catégorie. Voilà. Comme ça, ils sont pour chaque personnage, je crois. Ouais, c'est ça. Vanille, je l'ai déjà. Alors, Vanille, je l'ai déjà. Le sceptre ? Ah. Alors attends, Vanny, tu me dis que je vais équiper l'arme. Je vais équiper l'arme du coup. Comme ça je l'aurai dans un coin de ma tête. Alors celle qui améliore les debuffs, tu m'as dit. Je crois que je l'ai déjà. Non, c'est pas celle-là. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Dégâts physiques. Affaiblissement précis. Ok, c'est celle-là. Pour Fang, c'est plus de late game. Ok, pareil pour Lightning. Et hop. Ok, d'accord. D'accord. Bon. Et de mémoire, je crois qu'il a pas. Il a pas d'arme d'ouf. De ouf. Ok. Le mieux, c'est l'arme violette là. Celle que tu as donc alors oh il est où il est là donc l'œil de faucon c'est son arme actuelle en fait que j'ai il me semble d'accord bon déjà au moins on peut dire que j'ai amélioré une arme assez comment dire assez utile pour Hope déjà ça date ouais moi aussi ça date c'est pour ça en fait. J'y ai joué vraiment quand il est sorti, donc du coup, ça remonte à quelques années, quoi. Donc voilà. Bon, ça n'est pas que je vous aime pas, les gars. Honnêtement, je serais bien resté continuer. Malheureusement, comme vous le savez, demain boulot. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à repasser, y a pas de, vous pouvez, y a pas de problème. Oui, hop, à haut niveau, il est assez useless. Donc n'hésitez pas à repasser, honnêtement. Je vais faire la suite jeudi prochain. Donc, toi, si ça t'intéresse de repasser, n'hésite pas. On va retrouver demain soir Vikami sur Disney Dreamlight. Valet. Quant à moi, pour les streams de la semaine prochaine, je vous l'annonce déjà, mais on va se retrouver mardi. Je pense que vous doutez pourquoi. Pour le début de l'aventure de Crisis Core Final Fantasy VII, Crisis Core Réunion. Et jeudi prochain, je continuerai le let's play FF13, histoire de savourer les deux aventures. Voilà, parce que. Je savoure aussi bien l'aventure FF13, mais je pense que je vais aussi savourer l'aventure de Crisis Core. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, ciao !